vous le disiez au sommaire, l'uniforme que porte la police a contesté en cour ce matin. C'est maître Sif Potaya qui a soulevé ce point de droit au tribunal de Maïbourg devant le magistrat Daniel Ango. La police avait intenté en procès un chauffeur d'autobus de la CNT qui a retenu les services de maître Potaya. Le chauffeur avait objecté que la police procède un test d'alcoolémie sur lui. Le policier qui l'avait pris en contravention portait l'uniforme. Selon maître Sif Potaya, l'uniforme bleu de la police ne figure pas dans la police act. Donc, l'avocat a fait une demande pour l'arrêt du procès contre son client. Écoutez les explications de maître Sif Potaya au micro de Devan Anakouti. J'avais un client qui était poursuivi for refusing to submit to breath test. Alors, j'ai demandé à ce que le procès soit annulé pour vice de forme, parce que le policier qui était justement habilité à le prendre en contravention sur le Road Traffic Act était vêtu d'un police uniforme. Or, selon le police act, ce police uniforme doit être prescribed. Alors, toutes mes recherches se sont avérées vaines. Je n'ai vu aucun texte de loi qui aurait prescrit ce police uniforme. Donc, j'ai dit que les procédures étaient tainted with nullity, vu que le policier était illégalement vêtu. Là, l'affaire a été renvoyée à une date ultérieure pour être débattue sur ce point de droit. Et la police résiste à cette motion. L'avis du parquet a été sollicité. Entre-temps, l'affaire a été renvoyée au février 2012.